Comment détourer une image très facilement pour tes miniatures YouTube et pour tous tes autres visuels, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque on va détourer ensemble une photo de moi en seulement 2 minutes grâce à un site qui est totalement gratuit et qui est libre d'accès sur Internet. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de télécharger de logiciel pour détourer tes photos et tes images. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais d'abord te montrer des exemples de miniatures YouTube que tu vas pouvoir réaliser par la suite et ensuite, eh bien, je vais te dévoiler le site en question qui te permettra de détourer tes photos et tes images en moins de 2 minutes et ce gratuitement. Juste avant de passer sur mon écran, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour recevoir de nombreux autres tutos comme celui-ci qui te permettront de créer ta chaîne YouTube, de la développer, de l'optimiser et surtout de gagner de l'argent avec ta chaîne pour en vivre totalement. Et n'hésite pas aussi à me mettre un énorme pouce en l'air si tu apprécies ce genre de tuto pour m'encourager dans mon travail. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et tu peux également télécharger le guide du youtubeur gratuitement, ça se passe dans la description, tu as un lien, tu cliques sur ce lien et tu pourras t'inscrire pour recevoir ton exemplaire gratuitement dans ta boîte mail. Et si tu es prêt, on va passer tout de suite sur mon écran, c'est parti. Alors juste avant de te montrer comment détourer des images très facilement, je tiens à te préciser bah voilà, que tu peux justement créer des visuels comme celui-ci au du moins, tu vois, comme la bannière YouTube ou alors comme sur les miniatures YouTube. Détourer, ça veut dire enlever le fond. C'est-à-dire que là, on va enlever le fond qui est derrière moi. J'ai pris une photo juste avant de faire cette vidéo et comme ça, je vais te montrer de A à Z comment détourer cette fameuse photo gratuitement et rapidement. Mais tu peux voir que après, par la suite, tu pourras faire ce genre de visuel avec des miniatures, avec des bannières, etc., etc. Donc, c'est parti. On voit ensemble comment détourer une photo. Et pour ce faire, on va aller sur un site qui s'appelle RemoveBG, comme ceci. Donc tu tapes ça sur Ecosia, sur Google, peu importe, et tu vas sur le premier lien. Et ensuite, tu vas arriver donc sur ce site et tu peux voir que ici, on va télécharger une image pour supprimer le fond. C'est 100% automatique et 100% gratuit. D'ailleurs, ici, tu peux voir que bah, derrière la personne, il y avait un fond et ensuite il a disparu. Donc là, tu vois, il y a un fond et après, voilà, ça disparaît. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va venir télécharger l'image en question, celle sur laquelle on veut supprimer le fond et celle bah, tout simplement que l'on veut détourer. Alors je te laisse faire de ton côté, je vais le faire également du mien. Hop, et là tu vas voir en fait ça va détourer automatiquement l'arrière-plan qui est derrière moi et bah, tu vas voir il y aura la photo originale et la photo détourée. Donc hop, voilà, ici on a la photo détourée et l'originale tu peux voir qu'elle est ici. Donc tu vois, ça supprime le fond extrêmement bien et c'est gratuit, ça prend seulement quelques secondes. On clique soit sur télécharger ou alors télécharger en haute résolution. Et bah là, tu as donc un crédit, c'est la version payante, excuse-moi. Donc on va cliquer sur télécharger et on va avoir notre photo détourée directement sur notre ordinateur. Donc là, tu peux voir qu'on a supprimé le fond qui est derrière moi. Donc tu as pu le voir, en seulement quelques secondes, on a détouré la photo, on a supprimé le fond gratuitement, rapidement, facilement et sans aucun logiciel. Donc comme ça tu pourras bah, prendre plusieurs photos, les détourer très rapidement et au moins tu auras une banque d'images pour tes miniatures YouTube. Ça te permettra de sélectionner celle qui correspond le mieux au thème qui te convient et bah, ça te permettra tout simplement de pouvoir les réutiliser à volonté. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a fait découvrir justement ce fameux site remove.bg et bah, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo. N'oublie pas de télécharger gratuitement le guide du youtubeur, ça se trouve dans la description, c'est le premier lien, tu cliques sur ce lien, tu t'inscris gratuitement pour recevoir ton exemplaire offert du guide du youtubeur. Également, n'oublie pas de t'abonner et activer les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos et également, eh bien, tout simplement pour bah, voilà, avoir justement de nombreux conseils, nombreuses astuces sur YouTube. Je te souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao!